Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nos make-up, bon, à force je crois que vous avez l'habitude dans les vidéos et tout, mais voilà, j'ai une jolie peau en ce moment, retour de vacances et tout, je suis à la maison, du coup voilà, j'ai pas trop envie de me maquiller, mais c'est pas très grave en vrai. Des fois vous me demandez aussi au niveau des habits, là en fait j'ai mis une robe longue à manches, enfin... En gros les bretelles sont comme ça, mais comme il se fait un peu plus frais pardon, maintenant, j'ai rajouté un petit pull par-dessus qui vient de chez... Ah, sûrement plus Lenvir, mais ça date. Bref, donc voilà, habit très simple, j'ai pas de vernis, voilà. En gros, j'essaie de répondre souvent aux questions, c'est vrai que vous me demandez, mais là voilà, très simple aujourd'hui. Et alors, j'ai enfin reçu du coup la Beautiful Box d'août, donc on est le 30 et je l'ai reçu le 29 précisément. C'est très long, c'est la première fois que c'est aussi long pour Beautiful Box. Voilà. Et encore je leur ai écrit un mail pour leur dire que moi j'avais pas reçu et qu'ils me renvoyaient le truc quoi. Mais c'est long, c'est à dire que là logiquement potentiellement dans à peine une, enfin ouais la semaine prochaine ça se peut que je reçoive déjà celle de septembre. Bon au moins hein, voilà. Alors je suis pas autant emballée par ce mois-ci, enfin par le contenu qu'il y a dans ce mois-ci, mais cependant j'avoue que j'avais envie de la recevoir quand même, parce que bah elle a été payée quoi. Mais ça y est, elle est entre mes mains. Sinon je trouve le design très sympa et tout. Et en fait ça va être spécial cheveux. Donc c'est ça, la Beautiful Box 100% cheveux. Du coup je vais vous présenter ça. Bon vous l'avez sûrement déjà vu hein, mais voilà. N'hésitez pas quand même à mettre un petit like, ça me fera plaisir. Donc voilà pour ça. Et ensuite en fin de vidéo je vais vous parler un peu du blabla. Bref par rapport à la beauté tout ça et tout. Donc je vous présente du coup assez rapidement quand même dans cette box. Donc cet été, bah oui, bah alors là du coup maintenant on entre en septembre, donc bon. Cap sur une chevelure de sirène grâce à votre nouvelle routine estivale. Donc ce mois-ci il y a 7 exclusivités, 6 Beautiful Box plus un accessoire. Pour revigorer, pardon, hydrater, nourrir et réparer votre jolie crinière des racines jusqu'aux pointes. C'est un valeur totale des produits de 113 €. Le mois prochain j'aurai un votre concentré nuit bonne mine prolongateur de bronzage. Ça c'est un produit, je crois que je vais pas le garder, c'est des trucs qui me font peur. J'ai déjà testé un truc de ce style, une horreur, genre bref voilà, donc ça me fait peur, on verra bien hein. Alors du coup je vais vous montrer ça, il y aura des produits qui vont aller sur Vinted hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, bref, premier produit c'est celui-ci. C'est des produits qu'on a typiquement voilà, hop, comme ça. Vous voyez, c'est les mêmes choses là. Bon, je vais pas vous mettre là, sinon on va le confondre. Mais là, c'est de la marque Youf. Non, pas Youf. Non, Yurveda, pardon. Yurveda. Donc c'est un spray biphasé, protecteur cheveux, protège vos cheveux de rayons, des rayons du soleil et lutte contre la déshydratation. C'est un produit que je vais pas garder parce que j'en ai déjà et que je m'en sers pas tout le temps. Donc garder en plus ce produit, ça m'intéresse pas plus que ça, je vais pas m'en servir en fait. Ça va accumuler plus que d'autres choses. Donc voilà, ce produit je vous le laisserai. Ça a une valeur totale pardon, de 18,90 €. Voilà, en plus en plein cœur de l'été, enfin bon, on est fin août, alors moi je comprends plus. Donc il suffit sinon de mettre quelques vaporisations de votre soin, suffisent pour protéger vos cheveux des rayons de soleil et à lutter contre la déshydratation. Avec ses vertus antioxydants hydratants, soin capillaire, restructure la fibre capillaire pour les cheveux au top. Bon voilà, en gros, si jamais ça vous intéresse, voilà, c'est sur Vinted, je ne les mettrai pas cher, ça sera tout, sera à moins de 5 € parce que voilà, j'ai pas vraiment envie de tout garder, donc... Voilà pour ça. Ensuite, deuxième produit, ça je pense que je vais le garder, enfin je vais le tester quand même parce que ça me tente bien. La marque Biotalis, c'est une marque qu'on a énormément l'habitude de recevoir dans la Beautiful Box. Masque cuir chevelu, détox et réconfortant. Purifie et apaise cette zone de votre tête en vous offrant une exquise sensation de fraîcheur. Alors, attendez, je cherche juste quelque chose. Ah voilà, c'est ça, parce qu'en fait il le présente avant le shampoing, donc c'est pour ça que je voulais savoir. Et en fait conseil d'utilisation c'est ça: avant votre shampoing sur cheveux secs, appliquez uniformément le masque en massant votre cuir chevelu. Donc vraiment ici du coup, laissez agir 5 minutes puis
rincer abondamment et utiliser une à deux fois par semaine. Alors voilà, pourquoi je le garde? Parce que justement, c'est une utilisation, faut vraiment que je prononce bien mes mots. C'est une utilisation différente de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et j'aime bien des fois mettre des produits directement avant de faire le shampoing et tout. Je trouve que ça change. Oh, l'odeur. C'est quoi? Il y a quoi? Ouais, aloe vera, ouais. Mais ça sent fort. Coco, citrus, ouais, bon, ok. Bon, je trouve pas que l'odeur est agréable. Après, voilà, je pense qu'aller en une dizaine d'applications, ça sera utilisé. Hein. Ouais, l'odeur est pas agréable. Mais je pense tester ça. Je sais pas quand je vais me laver les cheveux, si je me lave demain ou après-demain. Mais je pense que je vais tester. Parce que ça change, en fait. Donc j'aime bien le principe. Principe. Ouais, en plus purifie, c'est génial. Donc ça, j'aime bien le principe. Ça, je vais le garder. En plus, vous pouvez l'utiliser. Enfin, c'est vegan et vous pouvez l'utiliser sur les femmes enceintes. Donc c'est intéressant pour ceux qui sont enceintes, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Blablabla. Ah voilà, d'huile de cumin noir. D'huile de cumin noir de bonne qualité, d'huile de nigel. Ok, appliquer une noisette. Sur cheveux, laisser agir 5 minutes. En plus, le temps de pause n'est pas non plus extravagant. Donc, ouais, non, c'est bien. 29,90. Hein. Non, ça, c'est bien à garder. Donc, ouais, ça, je suis contente. Ça, je garde. Ensuite, ça, je vais... Je sais pas quoi faire de ce produit. Parce que, en fait, je suis pas fan de cette marque. C'est de la marque Shairi. J'ai déjà reçu des produits de ce style, ça me fait peur. Mais en fait, j'aime bien garder ça des fois pour nettoyer mes pinceaux. C'est horrible de dire ça, mais ouais. Je sais pas. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'après, sinon, cheveux normaux à gras, en soi, ça peut me correspondre et tout. C'est aussi utilisable pour les femmes enceintes, 16,90. Mais ouais, je sais pas. J'arrive pas à avoir trop confiance en la marque là, je sais pas, comme ça. Sur moi, après, je dis pas que sur tout le monde ça marche pas, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Je sais pas. Ça, je vais voir si je garde ou non. Après, j'ai déjà plein de shampoings en ce moment, donc bon, voilà. Ensuite, de la marque. Attendez, de la marque Masato. Masato, on a l'habitude aussi de la recevoir. Quand je vous dis, vous savez, dans toutes les Beautiful Box, on reçoit toujours un après-shampoing. Bah là c'est spécial routine cheveux, donc on a encore un après-shampoing. Enfin là, c'est pas un après-shampoing. Bah si, soin des mélanges bambou 2 en 1, après-shampoing ou masque cheveux, si, hein, c'en est un. 19,90 et avec, il nous propose ça. Par contre, ça, c'est hyper intéressant, je vais le garder. Parce que moi qui fais toujours des soins sous la douche, grave bien. J'aime bien le peigne. Donc pareil, utilisable pour les femmes enceintes, véganes. Votre soin démêle en bambou 2 en 1, plus votre beautiful peigne de douche, répare les fibres capillaires et démêle vos cheveux. Bon, en soi, ça, je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça va me plaire. Version après shampoing, sans temps de pause. Oh, sans temps de pause, démêlez votre chevelure. Et en soin, enfin en masque, vous laissez poser 5 minutes. Ok. Bon, ben je testerai ça. Ça me tente déjà un petit peu plus. Ah, carte de fidélité. Non, n'importe quoi, carte de fidélité. Cadeau fidélité, box édition VIP. Ah bah j'ai pas du coup. Oh non, je suis dégoûtée, je suis pas VIP. Ah oui, produit abonné. Ayant 3 ans et plus de fidélité, ben non, c'est mort. Oh la nouille. Mais ils sont chiants à chaque fois à mettre ça parce que t'y crois. Bon, après, c'était une crème coiffante nourrissante. C'est juste, moi, ça me plaisait parce que c'est secret de Loli. Après, est-ce que j'aurais vraiment utilisé la crème coiffante nourrissante? Non, pas sûr. Bon, ben voilà, ben, c'est réglé. Dernier produit, gelée capillaire sans rinçage. De chez Tropicablis. Calbis. Pareil, femme enceinte vegan. Hop. Made in France. Je sais pas ce que je fais. Gelée capillaire aux agrumes. Dites-moi si c'est bien celui-ci, si vous l'avez testé. 15,90. J'en ai déjà en fait, donc je sais pas. L'extrait de kiwi, citron et tout. Oh, j'ai envie de tester quand même. Conseil d'utilisation pour finir votre routine capillaire sur cheveux secs. Appliquez une noix de gelée sur vos longueurs et pointes. Bon, je vais tester. Mais alors si je teste, faut au moins que je l'apprécie. Je pense que le shampoing, je vais pas le garder. Alors je pense, je vais pas garder le spray et le shampoing. Parce que sinon ça va me faire trop de choses et il y a des choses je suis sûre que je vais pas les utiliser. Donc eux deux ils seront sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Voilà. Bon pour moi c'est pas la chose la plus incroyable, mais je savais déjà quand j'avais un peu vu et tout. Bon on verra hein.
On verra, écoutez. Voilà pour ça. Donc, sinon je voulais vous faire un petit blabla. Je vous ai fait une petite unboxing vite fait, hein, les fins du mois. Je suis sûre que vous en avez déjà vu 1000. Et puis surtout, moi j'attends vos retours et tout. Du coup, faites confiance et puis vous me direz tout ça. Je voulais vous parler de plusieurs trucs du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai commandé la Splendid du mois d'automne. Enfin, Splendid automne. Elle arrivera la semaine prochaine. J'ai hâte de la recevoir. Je vous ferai un unboxing. Et vous savez, comme tous les Splendid, je vous avais dit qu'à partir de maintenant, je vous ferai une vidéo où je testerai les produits. Donc voilà, je le ferai aussi. Donc ça, c'est réglé. Ça, je vous l'ai dit. J'ai vu que mi-septembre, là, je crois, dans moins de 15 jours, un truc du style, il y a le calendrier de l'Avent Blissime qui sort, donc je vais me le prendre comme tous les ans parce que je suis fan de calendrier Blissime parce que c'est l'un des moins chers. J'ai commandé la box du mois de septembre Blissime parce que j'avais plus d'abonnement, donc il fallait se réabonner. Et alors moi j'avais quand j'ai commandé hier ou avant-hier, je sais plus, non je crois que c'était le 28, ouais c'était le 28 que j'ai dû commander, en cadeau j'avais une crème jour de chez Clinique, hyper intéressant. Et quand j'ai regardé aujourd'hui pour commander la box de septembre, en cadeau c'était un masque de chez Rennes, donc je me suis dit, enfin un masque visage de chez Rennes, donc je me suis dit oh non, je suis contente de recevoir le produit de chez Clinique, clairement, même si je doute pas que le produit masque Rennes est bien ou pas bien, hein. Mais voilà, au moins je suis contente de recevoir un petit produit de chez Clinique, c'est cool. Donc voilà pour ça. Donc ça pareil, ça va arriver la semaine prochaine. Beautiful Box, je sais pas. Prescription Lab, vous avez été quelques-uns à utiliser mon lien de parrainage, du coup ça se peut très fortement que je prenne, grâce à vous, et je vous en remercie, la box Prescription Lab de septembre. Beautiful Box, voilà, va arriver forcément. Gloria, non. Et Glossy Box, ça se peut, il faut juste que je refasse un re-abonnement de 3 mois. Voilà, une bonne nouvelle aussi, c'est que en Charente, du coup, je vous parle en Charente parce que voilà, sur Angoulême, il y a le magasin Rituals qui vient d'ouvrir. Non mais je vous jure, j'étais choquée quand j'ai vu ça, je suis trop contente. Donc cette année, ça se peut très fortement que je prenne un calendrier de l'Avent chez eux, parce que voilà, j'ai jamais testé, enfin en fait j'ai testé un calendrier de l'Avent, mais c'était un calendrier de l'été. Mais voilà, là j'ai bien envie de me prendre un calendrier de l'Avent, surtout qu'en plus c'est dans une, il est en zone, comment ça s'appelle, il est dans un centre commercial, et dans ce centre commercial j'avais gagné une carte cadeau, donc je pense que je vais en profiter. Voilà, après niveau des calendriers de l'Avent, sûrement la Glossy Box, parce que j'ai des, vous savez, à force de répondre aux questionnaires chaque mois là, des box, ça me commence à me faire pas mal de crédit, et ce crédit vous pouvez le réduire dès vos achats en fait. Donc voilà, sûrement je le prendrai aussi. Après je sais pas plus, j'aimerais bien me reprendre le calendrier de l'Avent de chez Marionneau et vous le présenter. Alors si je reçois des calendriers de l'Avent, je vous les présenterai pas tous, hein, je vous en présenterai voilà, bah, ça va dépendre parce qu'en fait je dis ça, mais pour l'instant je les ai pas encore entre les mains, mais j'aimerais bien en faire au moins Marionneau et Rituals. Voilà, on verra. Mais c'est vrai que le Marionneau l'année dernière je vous l'avais fait et franchement il vous avait beaucoup plu. Et en plus, moi perso j'ai adoré, il était vraiment hyper sympa, donc voilà. Voilà pour ça, pour mon petit blabla. Et puis j'ai la vidéo. Bah alors j'ai toujours pas reçu en fait la My Little Box, parce que je vous ai toujours pas parlé de My Little Box. Je leur ai envoyé un message là pour leur demander si j'étais bien censée le recevoir ou pas, parce que je ne sais plus du tout du coup. Donc j'attends toujours, voilà. C'est vraiment génial chez eux, hein. Donc j'attends la beauty, oh, je me perds, la My Little Box. Puis voilà, c'est tout je crois. Bon, et j'ai la dernière vidéo à faire aussi, c'est de les produits favoris du mois d'août. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à vous abonner. On est bientôt 630. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.